Ah ouais, Kaké Betty. C'est qui a vu du public et bandit. Y'a mon bon amant des fois pembe. Pité ma souki. Andy Chou, merci de son rang. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Ami du Pibi. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Ami du Pibi. Et ce tellement. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Ami du Pibi. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Ami du Pibi. On revient toujours au galop, on ne lâche pas aussi facilement d'un jour ce qui nous lie. N'a que soin, n'a soin, n'a c'est Pamba, oublions que c'est sa nature, malgré tous ses défauts, je... Merci de nous rejoindre sur www.avidupublic.org et surtout dans cette émission spéciale où nous recevons pour vous une diva de la musique congolaise, et faux perso, Abimara Yemogo de Israël, qui est là, 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 qui vraiment là, qui est là, qui est Pongolo, Fiti, Mbilebe, Dobambilebe, Lobby, parce que la musique à Congo, tout le monde est en train de faire Basi Bazate. Basi Bazate. Maman, je suis en train bongo. Et parmi les gens, c'est démarqué, je suis en train de faire sur ma case, et ça, bongo Lorette la perle. Lorette, bonjour. Bonjour. Bonne. Très bien. Bongo yo. Ça va. Et déjà, félicitations pour la nomination de Ndoulawa. Et déjà, tout le monde est dans la catégorie mère, tout, aux a nominé. Et réaction des ananines par rapport à la nomination. Ben, en tout cas, et ça l'inga très bien. Je dis vraiment merci à Ndoulé Award de penser à moi. Et merci à mon public, au Pessinga Confiance, au Bazo, continuer toujours à croire en moi. Donc voilà. Mère chanson, mère album, mère clip vidéo, mère voix féminine, et pas la moindre, donc ma catégorie presque non sont mère, mais la mère clip, voilà, bon, c'est retrouvé bon, entre vous, et pasteur Moïse Mbillé, il y a un clip dans la salle qui est en Afrique ici, qui était très bien, impressionnant pour moi, et qu'on a nominé tout autour, ma grand nom sur bon, ma grand frère, et ma grande sœur non sur la musique, et ma papa, et notre Jean Goubal aussi qui est nommé, ma catégorie belle, vous serez retrouvé dans l'EP, car ma part également. Et ça, on en est. Mais oui, au fait, comme je dis, Salinga, très très bien, et en même temps, je me sens honorée de me retrouver parmi tous ces grands, grands frères Nanga, et Nenanga. Je me sens très honorée, quoi. Donc, et ça a toujours été un grand plaisir, où, pour moi, Namontounian, enfin, au hasard, à nominer, parce que c'est ça qui prouve qu'on fait bien son travail. Tu vois, donc être nominé, pour moi, ça épaisse un peu moins courage. Genre que, ah bah, penser Nanga, donc c'est-à-dire que d'un côté, ce que j'ai fait, il est qui inaperçu. Donc voilà, c'est un peu ça. Mère clip, toi, t'es pas moqué pour ta clip, voilà. Et bon, c'est déjà clip, non, impossible. Elle est qu'à la RTNC, pour aller là. Ah, mais Nganen en tout, n'a pourquoi. Nganen en tout, n'a pourquoi. Mais parce que c'est signé Gibisu. Et Mingi Tomona, et Kalapet, ça m'a dit, ma casse de moi, ça l'a fait bongo. Et c'est que déjà la télévision, tout le monde, Rihanna, va bien, c'est autre bloc Pamba. Et bien, c'est qui est marié également. Mais, non, moi, hypocrisie, n'a pas africain. En tout cas, on se répond de Bissot. Et parce que tout le monde, à mon avis, peut-être que l'autre, et c'était bien pour les autres, mais choc pour votre moussoussou. Est-ce que papa, non, va te l'aider plus pour. En fait, le but de ce clip-là, ce n'était même pas pour Noroko. Comme tu as dit, ma petite culotte, c'était vraiment pas ça l'objectif de la robe, elle était transparente, comme des tuyaux, la tijin bakata, dans le monde, mon pende nao. Mais c'était pas le but, que là, que ça mon pende nao. Le but, c'est Zalou, ou toi-même, tu as tes raisons pour que la tijin o. Donc, ma raison, on a pour cette robe. Et ça, qui juste parce que c'était une robe qui était ornée des perles. Donc, pour moi, dans un haut, j'avais regardé ça d'un rapport à l'art, j'ai trouvé ça très belle, une robe qui est sortie de l'ordinaire et que je ne me suis pas trompée parce qu'aujourd'hui on appelle ça la célèbre robe. De robe, on est les finances, vous êtes un succès.
Donc voilà quoi, mais pour le clip en tout cas, moi, hommage toujours, Nazo, rendre fierté Wana, hommage à Brown Touch Music, surtout à Quentin Brown, c'est lui qui a réalisé ce clip là. Donc pour Nanga Pri Wana, ils ont vraiment pris mon corps, ils ont revenu et pas naïf. Donc ceux qui n'ont pas gagné, ils ont revenu et pas naïf parce que voilà, donc pour le clip. Et déjà, Général Kanyama, tant qu'on a fait un conseil, on a fait un musicien, on a fait un sur la clip. Donc, même on a dirigé le clip, on a fait un clip, on a fait un clip. Et normalement, il fallait zapper, censurer, mais à la limite, on a fait un peu. Tu sais, moi je parle plus du clip. Le clip Terminus, en tout cas, Banda Carrière Nangé Banda, ça a été un très grand. Très grand coup pour ma carrière, que ce soit Love Story ou Terminus, parce que bah, sans Wana, en ce moment, tu sais, dans le Bano, moi je suis rentrée qu'hier, j'ai fait presque 2 mois, j'étais en tournée, donc vraiment, qualité à clip Wana, donc les gens ont adoré, quoi, donc vraiment, comme on dit, nul n'est prophète chez soi, ah, peut-être aux hommes on pleure d'un côté, mais ailleurs, vraiment, je le dis, c'est un très grand coup pour ma carrière. Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'on a YouTube. Mais bien sûr, quel autre bah, nombre bah, vu Nango, on va voir. Mais bien sûr, là, je suis même nominée à Makamobile, à part Ndoula Award, je suis nominée au Afrima Award, donc les awards na Nigeria, donc pour toute l'Afrique. Donc, vraiment, Africa Music Award, quoi. Donc, c'est na RDC, Batubazo représenté Bissot, c'est Fali et moi. Laurette, ça va? Ça va très bien. La perle. Nanganeba, toujours, pourquoi la perle? Ben, la perle, parce que, tu sais, de taper Sangakumbu, la perle, c'est un ami de la famille et tout. Yem taper Sangakumbu, voilà, le vit que, dès le bas âge, tout ça, c'est toi, tu es vraiment une perle. Tu es une perle dans la chanson, dans la musique. Voilà, comment Benganga prête la perle. Deuxièmement, tu sais, quand on parle de la perle, c'est par définition, la perle, c'est une pierre rare qu'on appelle perle. Donc, ouais, faut rechercher un peu, hein, une pierre précieuse, on recherche ça, pose, en gros. Donc, voilà. Donc, les ailes, on a mis à tout. Donc, une perle reste une perle. Donc, voilà. Lorette, la perle, reste Lorette, la perle. Lorette, dans la tout nao, question, mon co, je reviens un peu dans le jazz à l'obaki par rapport à clip. Il y a une raison. Est-ce que pour nous, sensualité, na banzimbo, na bino, avec clip, ils ont un rapport, mon co, pour nous. Moi, je tiens ma sensualité dans la Tanzimbo, que ce soit la façon de s'habiller, sa façon de chanter, et que ça vient plus de moi pour répondre à mes demandes. En tout cas, je ne pourrais pas te répondre à la question haut, parce que pour moi, je pense que la sensualité, ça peut être un état d'esprit, dans le sens que, par exemple, chez les femmes, automatiquement, tu te retrouveras la sensualité, parce que c'est ça même qui nous différencie dans les balles. Tu vois, l'homme, la femme, juste ça. On est là pour répondre à haut. Okay. Et qui s'aka ou quoi dans le bas, peut-être sur ça la on est fois photo n'a pas tout à ça la on est dans quoi, hein? Mais c'est pour nous, c'est la gueule en cours, hein? On a qui en haut, mais non, en fait, comme je dis, pour moi, je dirais que c'est quelque chose de naturel pour moi. En tout cas, dans ma clip, n'a toujours ou tout l'ingra toujours, et même dans tout ce que je fais, d'être moi, d'être vrai. Et moi, j'ai même bateau bazardanga baebi. Le reste, la perle, c'est quelqu'un de vrai. Je n'aime pas les gens faux. Donc, tout ce que je fais, c'est moi. Donc, soki, naba clip nanga bozo retrouver sensualité. Donc, c'est-à-dire que ça fait partie à ma trait de caractère. Donc, ça fait partie. Je suis comme ça, au fait. Donc, c'est. Ça dit, mon entier boni mamlo l'aurait la perle parce qu'ils en ont naïe. Donc, bobo, j'ai été boni meka bongo. Ça fait déjà combien d'années dans le monde de musique? Bon, dans le monde de la musique, quand même, la musique pour moi, n'a pas le bas âge, c'est inné. Mais si je dois te parler de mon parcours musical, je dirais que déjà à partir d'un âge, il y a 9 ans, j'avais intégré une chorale classique. Donc pour moi, c'était un peu. Le fait d'intégrer la chorale classique, donc pour moi, je dirais que même dans ma cantinanga, ça commençait à devenir fait pour moi. Je me disais, et comme il est au moins que je dois le faire, je dois faire une carrière. Donc pour moi, c'était déjà le début d'une aventure.
Et puis ensuite, on a créé un groupe avec des amis. On voulait faire carrière parce que la chorale c'était normal et tout. Mais bon, après, on s'est dit on voulait faire une carrière. On a créé un groupe avec des amis dans le quartier. Je crois que là, j'avais 10 ans et demi. J'ai intégré la chorale et tout. Mais bon, après cette envie-là, ben non, ma carrière carrière solo. Bon, à un moment, Anna, après chacun, Zoki Bandila Naye, et puis moi, je m'étais retirée, mais on sait la carrière solo, nanga. Mais comme je partais à l'école, ma mère m'a appelé ça à la condition que, en tout cas, tant qu'on a un diplôme, tu dois faire études, musique, tu dois avoir un papier avant. Et quand j'ai eu mon bac, et c'est là qu'on a lancé, un peu quelques temps, on a lancé ensemble. Lancé ensemble, mais bon, là c'était dans ça qu'on a appelé moins si loin au Bakbaloba hip hop R&B, dans ça qu'on a appelé moins si loin. Et pour moi, c'était de l'apprentissage parce que, avec ensemble, c'était pour moi la première fois que je passe à la télé, donc genre que clip n'en est les canaux télé. Bon, après, mon engouement peut en fait, moi, retour est là qui très bien, il a qui très bien pour un niveau dans la qui n'en le retour en tout cas, et Bakbaloba c'est pas là qui ensemble. Et voilà, donc j'étais aussi seule, comme j'étais avec la famille, donc ça tâtonnait un peu. Donc pour moi, c'était en même temps une période d'apprentissage pour moi, un peu pour comprendre c'est quoi le monde musical, le monde. Avec la famille, en dehors ça là, sans retour. J'étais encadrée par la famille, tout ça là, sans retour, mais c'était encore plus sans retour. Et on essayait de faire découvrir un peu d'un grand public, ça marchait. Et puis petit à petit, on a lancé, je crois, 3 singles. Comme tout ça qui n'a avec la famille, donc c'était entre année 2009 et fin 2011 et 2012. Pour moi, c'était une année de recul parce que j'avais envie de voir un peu où j'allais et tout. Et puis voilà, comme j'étais avec la famille ne pouvait pas être tout le temps là. Donc là, qui moment dans un peu un silence recul. Et 2013, j'ai rencontré Brand Touch Music. Voilà, deux que ça la love story est terminée et puis ça fait boum pour ma carrière, si je peux le dire. Là, vraiment, nous tenons vraiment à vous féliciter parce que quand on a le lobby, toujours senti vraiment bien. Quand on a le lobby qu'il faut perso, c'est-à-dire quelqu'un qui vient dîner à Zomata et toi les Zomata, en tout cas, félicitations. Mais par rapport à la musique, on sent un peu du world, hein, d'être le bar en Congo, musique world. Et pourquoi pas vous pensez faire de featuring, parce que la musique n'a pas besoin de tendance vraiment à outil dans la Congo. Oh, ah bon? Ouais. Terminus, c'est au bête, c'est la pure rumba. L'autre story, ils ont rumba, mais la couleur n'a pas besoin. Ou soit, vous ne pensez pas qu'un jour tout le monde a payé. Tout le monde a peut-être na Rihanna, tout le monde a peut-être na Beyoncé. Pourquoi pas, ouais, les abas, même c'est dans la tête, Iroya, mais en ce moment, je suis en train de préparer un feat avec les Toufan. Je ne sais pas si tu connais les artistes togolais, Kolo Gweta, la danse Gweta. Okay, donc okay. Voilà, tout ça, bon, un feat, le titre c'est Follow Me. Donc Follow Me, déjà bientôt, parce qu'en même temps, là, je suis en train de préparer mon album. Donc voilà, feat, ils ont vu. Et puis là, il y a mon manager qui est en train de voir, qui est en train de recadrer ça un peu et tout. Donc voilà. Et au Congo, dans le Congo, au Bétéda du Solar, que vous étiez déjà fan de Koffi Olomide, sans vous, bah, vous ne pensez pas, Lopé, qu'un jour, malgré que vous avez dit que vous avez écarté la tête, mais vous ne pensez pas un jour faire quelque chose avec un grand de notre groupe? Oui, je crois que c'est même en vue. On va juste trouver le moment pour le faire. Mais on en a déjà parlé. Vraiment, merci Laurette, la perle, pour notre temps Pessibicho. Mais qu'est-ce que ça vous fait avant de finir être nominé? Vous étiez dans les néants aujourd'hui, aux Omata, Bandoulawa, on vous reconnaîtrait, Botangi, Afrima, War, tout ça. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait énormément plaisir parce qu'on se dit maintenant que les gens considèrent ce qu'on fait. Donc voilà, donc ça a très, très, très plaisir. Et comme on dit toujours, ça fait du bien qu'on se sente aussi accepté chez soi. Donc nous, avant Afrima Award, voilà. Déjà, nous l'award, déjà je suis nominée pour moi être chez soi, mais bien sûr, tout le comme ma prophète chez soi, c'est à dire que tout au-delà, il y a 10 ans, année le bac pour moi, donc ça veut dire que ça l'a bien, c'est à dire que éprouver que je suis acceptée chez moi, donc ça me fait énormément de plaisir.
Tu vois, une fois aux États-Unis d'Amérique, plutôt à Londres, qui s'appelle Animeta, Choco Frappant, et à l'ingaro vraiment m'ingaro abasona, elle m'a dit de te poser la question à quoi, à quand l'album, parce qu'à Bazarana pour ça vraiment il va rebeller. Mais au camarade m'a bloqué balé misal. En tout cas, l'album cette fois-ci c'est pour l'année prochaine, mon premier album, en fait mon album, donc. Karamigité, Bazo Zwango, donc. Avec plein de features. Bafit, plein de surprises, voilà. Donc là, Tozo et Belaka, Twist, Twist, c'est mon prochain single. Ezoubima vers le 20 décembre, Oyo, donc voilà, le 20, en fait, aux alentours du 20. Voilà, Tozo là-dessus. Un dernier mot pour notre public, nous sommes fans, nous sommes d'autres talons amis. Je fais des gros bisous à tous mes fans, donc préparez-vous hein, pour Twist et Zoya. Et voilà, il y a plein de trucs que je suis en train de préparer. Naoti tourne Nanga, je suis rentrée que hier. Donc voilà, Lorette La Perle a beaucoup à donner. Donc je demande juste cette confiance-là. Et après, vraiment, je demande bien on se pose à la brancher sur ce que je fais et vous serez pas déçus. Donc voilà, le programme est bien. Nazamo Namboka, Lorette La Perle qui a représenté RDC aux Afrim Awards. Donc voilà, et des gros bisous, je vous aime, je vous adore. Merci Lorette La Perle. On a la tournée, la phrase, la caméra pour dire merci à Nadine Bouté. Moi, c'est Amouindou qui nous regarde en ce moment. Là, nous nommons, c'est comme je t'avais promis qu'il y a un bandeau CPDISAYO. Là, nous nommons, là où tu es en Europe, Motenop, place aux alliés, animé ta choco frappant. Johnny Konda, le grand producteur, Caritas Yabumbu, place aux alliés, Motenop, Jean-David Kiambote, Motomala, Momokonzi, à Coca-Cola. Judith Massi, JDT Businessman, Bamote Amino Place Fosali, Emilia Guardino, Mote Madela, Glatter, car en Angleterre, on a Bamote Amino Place Fosali. Voulez-vous étudier aux États-Unis d'Amérique? Loi Education met à votre disposition un service complet d'études aux États-Unis d'Amérique. Inscription, logement, transport ou voyage, prise en charge et autres démarches. Loi Education collabore avec plusieurs universités et collèges aux États-Unis d'Amérique et offre un service d'orientation pour vous permettre de choisir un domaine d'études qui vous aidera à réaliser votre rêve. Loi Education, un chemin sûr qui vous conduit à la réalisation de vos rêves. Comme l'habit, vous avez vraiment apprécié de l'autre côté, et la pointe nord également, tout comme la Brazzaville. Et les leurs sont toujours à la musique, l'habit, il y a Congo du côté femme, et banalement, un mot sur votre temps, comme moi, Mingi, concernant la chanteuse. En tout cas, bon, la RDC, mon modèle, c'est du Abeti Masikini. Je passe mes journées parfois. Parce qu'on a un jour, quand je n'ai rien à faire, dans le billet, la journée musique. Dans le bandeau, la musique, banda tongo, typo, quoi, bah, musicien. Donc, vraiment, sélection, bah, y a musique, y a bisou, y a ailleurs, arabe, indienne, cubaine, donc tout, quoi. Na rumba, en tout cas, plaisir, je sais pas quand j'écoute cette dame, je dis toujours qu'elle avait une longueur d'avance pour cette époque. Donc, son a la musique, na bisou. Maman Abeti Masikini est vraiment à mes pattes et à Mbilia Belle. C'est pas pour rien que j'ai remixé Love Story de Beyanga. Elle, c'est vraiment du talent. Je sais pas, mais elle a un phénomène comme Mimo Kayemba Phénomène. Elle a vraiment un phénomène, quoi. C'est vraiment la voix même de la musique congolaise. Elle est encore vivante. Et c'est pour ça que j'attends qu'on approche les fils qui est pour ton album de Bimaki, où elle est sous CD, tout le monde attend soit tourné, ou quoi il a été supplément wax, quelque chose comme ça. Elle soit approchée déjà. Avant de faire Nasa Love Story, na bengaki, yem ta orienta kinga comment faire pour na Love Story, et même temps où Bimi, je l'ai appelé, elle sait que j'ai un CD pour toi. Non, t'inquiète pas, déjà Nasa na ngona yoka ki déjà. Ça m'a fait du bien quoi de savoir qu'elle avait déjà ça. C'était à une semaine en fait. Bizaki bando les cas d'abord na iTunes, non les bandai même pas na batrace ou ma chaîne na bisumoko. Donc voilà. Et relation dans nos salons là-bas concernant la chaîne, par exemple, nous trois Nénéti, Nathalie Makoma, Mégétrante, Cindy, nous sommes soit Bimi, Tatiana, Babounaboué. Aux appels à moi, là-bas, moi, 4 mois, pire, moi, pas aller autant sur ma texte, les gars, comment tu vas, Bounaboto, Utanara, Moussigara, Nézalara, Mézigako. Je pense que la relation, elle ne peut qu'être. Je pense que. On va, c'est tout ça, on est entre nos sœurs, et même dans Ndenga Moussala, tout ça, un peu ma collègue dans Moussala,
Donc je pense que ça ne peut qu'être bonne. Total Anaka, on s'apprécie aussi. Donc voilà, peut-être qu'occasion des salariés que tout le monde en a, mais la relation, elle ne peut qu'être bonne parce que il n'y a pas de problème à la base. Donc voilà. C'est vrai que au confirmer du bon, bien que c'est dire normalement pour la télévision, mais na moté mano penza il s'est mirmé que reporter penza Cindy T. Est-ce que c'est vrai? Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce qu'on a dit au intégré des quartiers latins, époque Moboué, bien que Obimagin ait faux perso Moko, mais c'est murmuré qu'on aurait pu intégrer quartier latin et pour l'accès sous quadracor à aux arbres à talents sous ce bélé, et ce qui n'est pas bien sous Achasuma, les beaux sous Moké, Nabandi, et peut-être qu'on sera mieux sous Tokoloba, qui s'est mis parce que Obimagin a eu Moko. Et voilà, et Koyana, il y a quartier latin, on a transféré, on a eu plein de mois talo, on a eu trop exigeant, on a demandé de l'argent, tout et tout. Et Cindy, à mon avis, on a lu Moussousou. Et ils n'ont pas vraiment pété Moussousou. Vraiment, ils ont c'est extra grave parce que c'est une belle histoire, mais malheureusement, qui ne pouvait qu'être fausse, quoi. Donc voilà. Le grand Mopao, c'est avant tout d'abord, c'était parmi artistes favoris Nanga. C'était un très très grand fan de Koffi Olomide. Et Bisopé Bana transmettra qui Bisouango parce que on écoutait tout le temps du Koffi. Donc Nanga déjà dès Boumouana, sans connaître la personne, j'étais déjà fan par mon père. Mais bon. Après, avec Koffi, on a commencé à parler et tout, comme n'a Barti Somsous, et ça dit que, peut-être, le bio, le baki, quoi, mais le reste, le quartier latin, pourquoi on a ça qui ont quand même un quartier latin, et ça parmi. Bien évidemment, parce que. Et en ce moment, tous les deux, on travaille sous un même label. On travaille avec Brand Touch, parce que l'album Naeo Azo Bimisao, 13e apôtre, c'est mon label, Mtezo assure un OP. Côté international et tout le reste. Donc, et ça, c'est ce que. Et lié Bisson encore davantage entre Koffi et moi. Donc voilà, Tango Boyo, quand même, Nabandimbo, Nesna Terminus, Nabo Akiekoff, le prof. Donc voilà. Et. Bah, Ozolo Balanga, c'est une très belle histoire, mais malheureusement, dans la question qu'on n'a pas, c'est que si les liens. Donc il n'y a rien avec ma soeur là, donc il n'y a rien. Donc, voilà. Et est-ce que tu as vu moi, na akapé la moi, le mot Kekaka, et avant que Batman soit pas découvert sur une ligne roulée qui est là, il y a l'album Oyo Love Story. Et moi, je suis allé parce que tu peux tomber ça et on a Kende na yo, mais c'est quoi, on a l'offre, c'est tout ça là. Clip qui toko, on a une zone n'ingana tout et tout, c'était très bien, félicitations. Et toi, c'est moi le mot, je suis allé au bébé, partout dans le monde. Quand on revient toujours au galop, on ne lâche pas aussi facilement un jour ce qui nous lie. N'a que soin de ses pambas, oubliant que c'est sa nature, malgré tous ses défauts, je l'ai. Non, je l'aime. Oh mon amour, mon bali a passé. Ozala qui solo champion. Tango yozali komikosa. Mokili tango échangé. Bamba nananga yo soba fan de vie ou ponambongo na yo. Bango yo soba lo bakama bi ponakombo na yo. Voilà, rendez-vous au Ndoulé Award le 19. Voilà, merci. Merci et merveille à Piero Itela et la famille de Peñoso. Et tout le monde est content qu'il y ait Noël Boy Francis Bozo et Angouana Merve. Et pourquoi pas à Santos Digira, chef d'entreprise Merve. Merve également à Rossi Figaro, Papa Naroro. Pourquoi pas à Galia Tita Merve. Et tout le monde n'a jamais Babino le mandé Tobi. Banane sur Kassafou, on a Paris, on a Barossala, Baningisi Paris. Yabino Yangwana. Lili Moulunda Moutoua bien. Yangwana l'État. L'Unshipping LLC, votre agence de fret aérien et maritime vient d'élargir son secteur d'exploitation. Désormais, vos colis, valises, cartons et véhicules arriveront à vos destinations avec livraison à domicile au prix imbattable et à un délai escompté à Kinshasa, Brazzaville et Luanda. L'Unshipping vous garantit la sécurité, la protection de tous vos colis fragiles. Un service d'achat de véhicules, de luxe et des maisons aux États-Unis est maintenant disponible dans toutes nos extensions New York, Raleigh, Washington DC, Chicago, Virginia, Minneapolis, Charlotte et partout aux États-Unis.
Jazz Kavulu, je crois que Tosugi Nabisoara, on dit merci à. Oui, oui, on dit merci à Didier Masuki, Mobali, à Mandefa Pembe, Bogos, Cameraman et à Bogar, à l'élabo même à sa chapeau. Laurette, vous avez quelques personnes à saluer? Ben, je salue tous ceux qui me soutiennent, en tout cas. Je vois surtout mon label Brand Touch. Donc, en tout cas, merci à Brand Touch Music pour tout. Donc, Lelo, Laurette Laperle est nominée 4 fois Ndoulé Award, à Frima, dans Ikora. En tout cas, vraiment merci. Et dédicace spéciale à Quentin Brand, lui-même le patron de Brand Touch Music. Et je salue ma maman, que j'adore tant, et toute ma famille, Zébélé, Del Vapeuf, DJ Maïm, Patrick, Aévi, ça tellement ébélé, donc j'ai pas envie de trop citer. Et puis quoi, Bamsouba Kanyanakanda, quoi. Donc voilà. Banaki, Binonyonso, je vous love. Bana Congo Mobimba, Bana Matadi, Laurette Lapin arrive, quoi. He's back. Mais Laurette, s'il vous plaît, n'a revenu à moi, question Moko, rime à mon peso circulé. Tant on rime à ce circulé, puis tu ramènes à mon source, parce qu'il y a une autre perception réponse à solo. On nous dit, on dirait que Laurette avec son manager, ça voit Céline Donna, manager Naé, c'est-à-dire. Une relation amoureuse. Ah bon? Les gens pas parce que tu es un coloba grand, un coloba trop. Moi, je ne suis pas ici à la télé pour parler de ma vie privée, surtout. Tu es une star quand même, on paparazzi Zolanda. Voilà, paparazzi, nous sommes entre projet. Donc voilà quoi. Donc, c'est fou. Je ne suis pas là pour parler de ma vie privée. En plus, c'est une émission musicale, c'est une émission maritale. Donc, on a mariage ou relationnel. Donc voilà. Donc, c'est... Au fait, moi, les rumeurs, c'est des choses que je ne calcule même pas. Ça, je ne révèle pas. Moi, je ne calcule pas les rumeurs parce que non, tout ce qui est rumeur, les on dit, tout et tout. Donc, tu me l'as dit, mais je te dis honnêtement, je n'ai pas calculé ça. Donc, je ne peux même pas te répondre sur quelque chose où on a calculé un coup de pété. Donc, voilà. Et moi, lobby déjà. Tout le monde, le batte, Jazz Kavulu, beaucoup de caméramènes, la Bouga, Didier Masuki, et Santo Dijira, Jazz Zobi, et aussi vous rappelez, Santo Dijira, chef d'entreprise, dans Lausanne, Pati Bofono, Maron de Luz, Sebi Ndombasi. Je crois que pour l'autre, je suis qui en a. Merci.